Allez à Athènes, jeune et passionné. Apprenti psychologue, pleine de volonté. Dans les couloirs de Vespucci, elle apprenait à écouter, à comprendre, à guérir les âmes blessées. Théoscote lui commençait en tant qu'ambulancier, bravant les nuits, toujours prêt à sauver. Avec courage et dévouement, il transportait les patients en détresse vers l'espoir et la clarté. Aria et Théo, deux étoiles qui brillent dans le ciel de Vespucci, ils gravissent les cimes. De l'apprentissage à la maîtrise, ils sont devenus des guides, des phares dans la nuit. A continué son chemin de l'apprenti à la professeure avec talent et soin. Elle enseigne désormais la psychologie, transmettant sa sagesse, sa passion, sa vie. Théo, à force de travailler, de persévérance, est devenu professeur en chirurgie avec élégance. De l'ambulance à la salle d'opération, il guide maintenant les futurs champions. Aria et Théo, deux étoiles qui brillent dans le ciel de Vespucci, ils gravissent les cimes. De l'apprentissage à la maîtrise, ils sont devenus des guides, des phares dans la nuit. Leur parcours est un exemple de détermination, de la passion à l'enseignement et transformation. Leur vie dévouée à sauver, à enseigner. Aria et Théo, des héros voués à inspirer. Dans les salles de classe, leur voix résonne, partageant des histoires, des savoirs, des leçons. Aria avec ses mots, Théo avec ses gestes, ils façonnent l'avenir avec amour et zeste. Aria et Théo, deux étoiles qui brillent dans le ciel de Vespucci, ils gravissent les cimes. De l'apprentissage à la maîtrise, ils sont devenus des guides, des phares dans la nuit. Leurs chemins se sont croisés, deux destins entrelacés. Aria et Théo, des noms à jamais gravés dans le cœur de Vespucci, leur légende demeure. Des apprentis aux professeurs, ils ont trouvé leur demeure.